Bonjour! Et bonjour! Tu peux pas venir direct en vocal, toi? Non, je peux pas. Ah ouais? Non. Attends, faut changer ça, faut changer ça. Je passe un message. Les pipous, c'est Monody avec nous en stream. Bonjour! 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 Oh là là! Coucou Layla, coucou Epsilona! Ouais, dis-moi. J'étais dans l'addiction la plus complète. De par rapport à quoi? Oh là là, mais là, on a fait un jeu. Ouais. Genre. J'ai l'impression d'avoir une demi-heure pour te dire. Ça, ah fait, oui. Ça fait 6 heures que je joue. Ah oui, d'accord. Okay. c'est Balatro. C'est un jeu de cartes où en fait tu dois poser des mains de poker. Ces mains de poker ont un nombre de points de base suivi d'un multiplicateur. Ouais. Et donc, tu fais une paire, c'est pas beaucoup, tu vois. Tu fais un carré où t'as 4 fois la même carte, c'est beaucoup plus. Tu fais une suite, c'est encore plus, tu vois. Et en fait, après, le nombre de bases ou le multiplicateur peut être modifié avec des cartes supplémentaires par des jokers. Des jokers qui ont des affixes particuliers. Et tu débloques les jokers au fur et à mesure des games et tout. Donc, c'est parti en couille. C'est parti en couille. D'accord. C'est qu'une démo. D'accord, ouais. Ouais, ah. J'imagine. T'as installé le jeu ? Oui. Je l'ai installé. Attention, j'ai rien compris à ce que tu m'as raconté, Mono, faut que je te le dise. Hein, mais Ah, le jeu que je dis, ouais, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai toujours des jeux à la con. Ouais, mais je crois que je suis pas la seule. Mais je crois que ça s'est vu sur ma gueule en fait, que je comprenais pas ce que tu me disais. C'est vrai, Mono. Je te montrerai. Je te ferai Je te ferai un tuto. Ouais, c'est ça, il y a qu'Alano qui dit ce qu'on a compris, c'est qu'il s'amuse. Moi, c'est le seul truc que j'ai compris. Genre, vraiment, il a commencé à parler de chiffres, de jokers, de machin. Mon cerveau a fait. Bon. Ok. J'ai rien compris, mais ok. Du coup, je t'ai invité sur Escape Simulator. Ouais, t'es en train de la hype. Attends, deux secondes, j'arrive. T'es en train de la hype, là. Merci pour les subs. N'hésitez pas à sub. Mettez plus de subs. Attends, mais ça claque des subs, je les vois pas passer, c'est terrible. Chais. Voilà, c'est bon. Bon. T'inquiète, je l'ai regardé jouer, j'ai pas tout compris. Ah, comme quoi, tu vois, je suis pas la seule. Genre. Moi, j'ai pas regardé, j'ai rien compris, donc du coup, attends, effectivement. Je vais créer une partie. Merci pour le sub. Oh là, putain, mais vas-y, c'est bon, ça subgif chez moi. Arrêtez, vous calmez-vous. Allez, on sub. N'hésitez pas à sub. Difficulté ici, normale. On a un petit objectif. J'imagine que chez toi aussi, on a un petit objectif. De quoi ouais, moi, je suis bon ce mois-ci, ça va. Ouais, moi aussi, je suis plutôt bon. Difficulté. Tu sais, j'ai validé le deuxième mois. Oh, c'est bien ça, putain, GG. Oui, non, GG. Plus qu'un. Attends. Inviter des amis. Merci à Téline. Ah, mais je t'ai pas en ami, c'est incroyable. Merci. Comment ça, tu m'as pas en ami? B2LDOP sur Steam. Oui. Ah, mais attends. Attends, je vais t'envoyer mon bidule. Ah, ouais, attends. Je vais te ajouter. C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai pas le truc Steam qui Attends, pop. Parce que moi, mon Steam, il est en train de bug de ouf, là. Non, c'est pas bugué, je crois qu'ils ont fait une mage. Mais il est énorme, le truc. Non, il avait bugué. Tiens, attends, je t'envoie ça par MP. Oui. Gimme de code contact. Here you go. Merci Hop beaucoup, là. Adeline. Merci beaucoup. Hop là. Fouette. Beaucoup taga. Beaucoup papier. Hop là. Zergout. Coucou Technicolor. Coucou Kirua. Coucou Fetigre. Inviter des amis. Pourquoi je te love vois pas là? Je love ton face. Bah attends, je vais t'envoyer. Bah, je sais pas, faut que je te rajoute, non? Je vais attends, invitation ouais. En attente. Bah oui, laisse-moi le temps, laisse-moi le temps aussi. Oh l'autre, je te vous... vois pas. C'est bon. S'il vous plaît. C'est bon. Attends, mais je crois que le jeu il va pas se mettre à jour. Inviter des amis. Est-ce qu'il faut que je retourne en arrière? Ah non, c'est bon. Je t'ai invité normalement. Merci Vic. Attends, parce que ouais. C'est bon, c'est Ralapinou, Toutoun, Aeris. Sanrelio, c'est Edo Shiwa. Tu joues à la manette ou au clavier, toi, avec ce truc-là? Clavier, j'espère. Sinon, j'ai une manette, mais... Clavier? J'espère que ça joue au clavier. C'est vrai que j'ai pas Attends, vu... Attends, c'est où qu'on voit les invitations, déjà? Mage Tab. Shift Tab. Je sais pas comment t'appelles ça. Oui? Ça va? Non, j'ai... Alors, j'ai pas l'invitation. Je Comment vois que tu y as joué, mais j'ai pas ton invitation. Bah, attends. Il veut pas que je t'invite? Ah oui, c'est bon. Bah, joue au jeu. Tutoriel. On fait le tutoriel quand même.
On va faire le tuto, hein. Je pense que c'est une bonne idée. Hein. Je pense que ça va être bien. Coucou Mazar, coucou Kara, coucou Nala, coucou Lulu. Je te vois pas. Attends, j'arrive. Il est en train de se lancer mon bidule. Ah oui, c'est bon. Tutoriel. Hein. C'est bon, on est prêt. Tutoriel. Hein. Non, attends, on n'est pas prêt. Hein. Mais Pipou, il voit pas ce que je fais. Hein. Mais oui, mais il y a le code. Il y a le code de la game. Pour ça, moi, j'ai pas merde, mis l'écran. Ok, encore. On peut pas montrer encore. Ok, d'accord. Bah, c'est bon, c'est bon. Vas-y, vas-y. Vas-y, je lance. Allez, hop. Tac. Bah, c'est bon, je peux lancer. Ouais, changement de scène. Je peux leur montrer. Bah, ouais, ouais. Enfin, je peux leur montrer. J'ai jamais joué. J'avoue que je t'ai invité dans le truc, mais je. Mais tu m'as dit, viens, on joue à ça. Moi, j'ai dit oui, mais tu sais que j'ai même pas regardé ce que c'était. Genre, si tout à l'heure je t'avais pas écrit en mode on est censé jouer à quoi, Mono, je saurais toujours pas ce qu'il fallait télécharger ou rien, tu vois. Mais moi, c'est un... En fait, c'est un escape room, donc va falloir réfléchir. Mais tu sais que j'ai jamais fait d'escape game. Non, mais attends, mais tu me demandes à moi de réfléchir là. Non, attends, je crois que t'as pas. T'es sûr t'as choisi la bonne personne pour jouer avec toi là? Oui. Je suis persuadé que... Ça va être terrible. Non mais attends, je crois que tu te rends pas compte. Mono, presser Mono, tu sais le bouton rouge. Comment ça, le bouton rouge? Mono. Oui. Ça va être la merde. Ah. Tu fais le tutoriel, j'espère. Attends, je vais faire le tutoriel. Attends, je... mais pourquoi on est censé jouer ensemble? Pourquoi on joue pas ensemble? Bah, je sais pas, moi. Attends. En plus, c'est en anglais, faut que je dise en anglais. Ah là. Non, moi j'ai mis en français. Ah bah déjà, ça commence bien. Attends, comment je fais pour remettre en français? Non. Échappe settings, non? Échappe option? Échappe option. Language? Where? Ah. Where, in the kitchen? Là, c'est bon. Récupérez les trois jouets, placez-les dans votre inventaire. Attends, quoi? Mais attends, tape. Merci, Emilie, pour le T1. Merci moi, en français, ça va, ça se comprend. Ok. Ensuite, 1, 2, 3. Ah oui, ça c'est les ronds dans les ronds. Mais je comprends pas ce qu'on doit faire. Tu résous des petites énigmes. Il me dit tape A ou A. A ou A. Ah c'est bon, j'ai compris. Non, j'ai compris. Il existe vous pouvez traîner les grands objets et essayer avec la chaise maintenant. Ah oui, ça va être que des énigmes à la con comme ça. Propicez-vous. Pressez le bouton rouge. Je presse le bouton rouge. Comment je fais pour presser le bouton rouge? Il est... Bah, faut que tu le trouves. Il est dessous, mais quand je clique dessus, ça fait rien. Bah, tu te baisses et après tu cliques gauche. Mais ça marche pas. Ah ouais? Ouais. Mais moi, ça a marché direct. C'est un bouton, Bulle. Comment je fais pour avancer? Attends. Moi, ça a marché direct. Attends, pourquoi? Mouvement. Ah mais oui, attends, c'est bon, c'est okay. Bon, je sais, j'ai compris Mono, j'ai compris, t'inquiète, je gère. Ok, attends, ok. Je suis là, je suis dans la place. Mono, je suis dans la place. Attends, parce qu'il y a la suite après. Ah Mono, ça marche. C'est bon? Oui. Déverrouiller ensuite, au coffre. Ensuite, okay. Ramasser la clé dorée. J'ai okay. Ramassé la clé dorée. Ouvrez le verrou en utilisant la clé. Deux. Ah, je l'ai jeté par terre. Attends, Mono. Ah bah allez, ça va bien se passer. Okay. J'ai mis la clé, ça ouvre, c'est bon. J'avance petit à petit. Hein? En vrai, je pense que c'est juste pour qu'on puisse comprendre les mécaniques du jeu et puis faire tourner la boîte et trouver un endroit où utiliser la clé à remonter. La clé de remonter. Alors. Oh mon dieu, je vais être si nul à ce jeu, c'est. Non. Ok, c'est bon. Ouais, ça va être 10. Terrible. Sinon, ça va, vous? Tout va bien? Tout se passe bien? Ça va, toi, Mono, dans ta vie, ça se passe? C'est un objet dans votre inventaire. Ouais, ça va, en vrai. Ça va. Je perds du poids. Je suis content. Ok, j'ai un problème dans les commandes. Ok. Tu perds du poids, t'es content. Bah, écoute, il va falloir venir manger la croziflette, du coup, pour pallier cette perte de poids. Ah bah, non, c'est... Non. Ah bah... Bah, si. Mais non. Bah si. Mais non, mais c'était bien en fait de perdre du poids du coup. Bah non, non. Parce que... Mais... Bah non. Attends, je comprends pas ce que je dois faire. Fais tourner la boîte. Et trouver la clé. Bah oui, j'ai fait ça. Je crois qu'il a bugué. Attends, 4. Comment ça, fais tourner la boîte? Quelle boîte? Encore un jeu dans lequel on va pouvoir admirer tes skills aux jeux vidéo. Ah ça va, Olivart, hein.
Oh, let's go. J'ai marqué un panier. C'est quoi du coup le... Parce qu'il me dit qu'il existe un truc pour ramasser les trucs plus vite. Double clic. Double clic. Attends, j'essaie de comprendre là. Ah. Mais pourquoi il veut pas? C'est quoi ça? Mais... quoi? Examiner la boîte en détail. Je crois que ça a bugué. Comment je fais? Cliquer sur la porte pour ouvrir. Vu. Comment ça, vu? Cliquer sur la clé. Oh là là, ça va taper des vues. Comment ça, vous avez vu la boîte, mais moi j'ai rien vu. Comment ça fait tourner la clé? Attends, moi on m'a dit attendez, je dois attendre que tu sois rendu au même point que moi. Mais non, c'est quoi cette merde? T'en es où? J'en suis toujours au tutoriel. Oui, mais moi aussi je suis au tutoriel, mais je suis bloqué, je crois que mon tuto il a bugué. Attends, mais moi je suis sur un truc, genre il me dit ramasser la clé, machin, et utiliser là quelque part, mais où? Où? Ah, t'es pas avec la table et le panier de basket et tout le bordel? Non, pas de panier de basket là, j'ai une boîte dans laquelle il y avait une espèce de clé. Ouais. Et il m'a dit utiliser la clé où il faut. Oh putain, je crois que c'est pour le terrain. Je crois que mon jeu il a bugué. Et après, putain. Genre j'ai un cadenas et comment tu veux que je devine le code? Alors je peux te donner le code, mais sinon, regarde, en fait, tu fais la boîte là. Je crois que tu fais clic droit. Ou un des deux clics pour l'observer. Et en fait, quand tu observes la clé, après la boîte, tu peux drag and drop la clé pour faire tourner la boîte. Ah oui, ça y est. Bah ouais, mais non. Mais pourquoi moi j'arrive pas? Ah ouais, mais non. Et après, il te donne un code. J'ai galéré aussi à mettre la clé dedans. Attendez, mais comment vous avez trouvé? Moi je trouve pas là. Je suis un débile. Ah, ça y est, j'ai compris. Ok, on a le code. Tiens, attends, juste question. C'était quoi le code? Voir s'il donnait... 274. Ah, c'était pas le même que WOM. Ah si, c'était 274, pardon. J'ai ouvert le cadenas. Ici, je mets tous les mêmes, là. Lève. Il faut lire. Non, mais attendez, mais depuis quand moi je lis? Mais vous êtes des ouf. Mais là, c'est un triangle. Tourner la boîte. Quoi? Attends, faites tourner la boîte et trouvez un endroit où utiliser la clé. Mais elle est où la clé? Elle est où la boîte? Attends, les objets, moi, c'est ça? Moi, je suis attends, en PLS. Ranger ma chambre. Je suis en PLS parce que je crois que j'ai bugué. Bah moi, je dois ranger ma chambre. Mais t'as pas genre ça, trois tabourets, un panier de basket et tout le bordel là? Si, bah si. Eh ben, je suis dans le même truc et ça fait 10 minutes. Là, je bug depuis tout à l'heure. Bah, franchement, je pense qu'il faut ranger la chambre en fait. Mais. Ah, non. Ouais, peut-être, mais. Bah, non. Non, ça a pas l'air d'être ça. Non, c'est attends, ça. Je vais tout stacker. Il m'a volé ma clé, ce con là. Il veut pas me rendre ma clé. Mono, pourquoi on joue à un jeu où on doit ranger notre chambre alors que je range pas la mienne? Mais parce que c'est bien. De ranger notre chambre? Attends, mais pourquoi il... Je crois que j'ai bugué. En vrai, je crois sincèrement que j'ai bugué. Premier bug. Putain, on bug sur le tuto. Oh, tu vas me haïr. Oh non. Oui. Et moi... Je comprends pas ce que je dois faire. Moi non plus. Alors, hey, peut-être que je mette les petits ballons. Il te dit encore utiliser la clé à remonter? Oui. Putain, mais moi, il me dit la même chose, mais je l'utilise où? Bah ouais, je comprends pas. Peut-être tourner la boîte et trouver un endroit où utiliser la clé de remontée. Ouais, je crois que le tuto il a bugué. Hein. Ouais. Ou quoi, Arcan? Ouais, je crois que ça a bugué. Vas-y, retournez au menu. Moi j'ai exit. Hein. Oh là là! Ouais, je vois ça, oui. Bon. Merde, le code s'est affiché. Si vous avez le code, venez pas. Ça s'est pas affiché chez moi. Tu peux pas bouger la table? Mais non, mais j'avais plus la clé. Je crois qu'on est pas un peu mal barré là. Moi j'ai l'impression qu'on est quand même un peu mal barré. Je pouvais plus récupérer la clé. La clé était dans le vide. Coucou Norine. Vas-y, viens, on tente la première chambre. Mais en fait, Mono, mais je crois que le labyrinthe d'Égypte. Non, pourquoi mais tu m'as proposé ça à moi? T'inquiète.
Le but. Ça se joue à combien ce truc-là, là ? Je sais pas, je crois qu'on peut jouer à 4. Ça risque de durer longtemps. Et je pense qu'on aurait dû avoir des teammates là, parce que vraiment, MDR, avec moi, là, tu vas te tirer les cheveux. Mais non, mais hein. Hey, t'inquiète, le but. Mono chauffe dans 2 semaines, je vous le dis. Au pire, si vraiment on voit qu'on galère tous les deux aujourd'hui, on doit pas jouer longtemps, parce que moi je t'ai dit 17h, je pense, voilà. Mais c'est un bon préambule, histoire de mettre le doigt dans quelque chose où on va comprendre notre douleur. Attends, Mono, où est-ce que tu veux mettre ton doigt là? Bah, dans genre les pièges, les trucs comme ça. Ah ouais, d'accord, ouais. Bizarre, non, mais oui. Hey, tu sous là. J'essaye de plus faire de blagues de. J'ai rien dit, c'est toi. Oh là là. Non mais voilà, je pense qu'on va se tirer les cheveux. T'inquiète pas, t'as le droit de m'insulter. Vas-y, lance. Voilà, c'est bon. Attends, je baisse le son parce que le son du jeu il est pour. Alors jouais-je la première chambre. Il veut mettre ses doigts, je sais pas où là. Mais vas-y. Garde les tétons. On attend des autres joueurs. Tu peux aller, on peut aller jusqu'à 10. Vraiment? On peut aller jusqu'à 10? N'importe quoi. Ça peut devenir un comment on dit, un hebdomadaire chaque semaine? Allez. Allez, bon. On se fait ça. On va mettre tout le monde. Là, il y a une pelle. Et il y a un flacon. Putain, je crois en plus Draco, elle se lève plus tôt. Je crois qu'elle se lève plus tôt. Tu veux pas qu'on lui demande là de nous rejoindre? Poubelle. Oh là, je sais pas si elle va venir. Après, pour 30 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Non mais Mono... Non. J'en sais rien, putain. Il faut chercher. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Alors déjà, là, il y a un triangle avec un rond dedans. Ah, il y a Draco, comment ça? Comment ça me juge à me lever plus tôt? Ah bah non, on te juge pas. Mais non, mais on t'invite, enfin, tu veux pas venir jouer avec nous? Étymologie Égypte. Un jugement... Oui, c'est vrai qu'un jugement, c'est négatif. On critique. Et là, c'est une critique très positive. Mono, je suis accroupie, je sais plus comment on fait pour... Ah voilà, c'est bon. J'en sais rien. Pardon. On peut casser pardon, ça? Pardon, mais je... Ouais, peut-être. Attends. Non. Attends. Attends, il y a une pelle. Si je prends la pelle. Oh putain, je l'ai... Ah bah oui. Putain, t'avais raison. Que je frappe ça. Incroyable. Oh. Je mets des trucs dedans, là, regarde, je suis en train de mettre du sable dans le truc. Nice. Attends, du coup, on en a un. C'est quoi ça? Attends, regarde, j'ai trouvé un truc, là. Mais tu l'as trouvé où? Comment t'as fait pour casser le bidule? J'ai jeté la poutre dessus. Et en vrai, Draco, si t'es OP à nous rejoindre, viens, hein, je t'envoie le... Viens, le, Draco le, je t'envoie le code, hein. Viens jouer avec nous, toi, t'es plus intelligente que moi. I send you the code. Après, je sais pas si tu peux join... Mais comment t'as fait? Bah lui, j'ai mais essayé... Ah, en fait, c'est une poubelle. Ouais, c'est une poubelle. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Je crois qu'il y a que ça à détruire. Merci Antoine pour le follow. Tout bien, je sais. J'essaye de comprendre ma vie. Attends. Ah mais attends, ça c'est un morceau de vase. Je l'ai mis dans la poubse. Mais regarde, il faut le bidule là. Ouais. De quoi? Regarde, j'ai trouvé une image. Ouais. Regarde, l'image que j'ai trouvée. Il faut un phénix. Le phénix, il faut le mettre où? Il dit qu'il faut le mettre où? Attends, ah oui, ok. Il faut observer le phénix. T'as pris l'indice. Observons le... Le sphinx. Putain, j'ai de nouveau des problèmes de commande, mais c'est une dingue. Coucou Gaël. C'est les indices. Ah d'accord, bah j'ai pris un indice. Elle triche dès le début là. On peut pas zoomer. Ah si, on peut faire E. Et regarde. Non. Je sais pas. En fait, comme on a pas terminé le tuto, c'est un peu compliqué là. Hein. Non, ça va. Attends, y a un truc là-dessous là. Ouais. Attends, c'est quoi? Mais comment t'as fait pour avoir ça? Pourquoi t'as une pyramide? Mais je l'ai trouvé, je l'ai prise. Oh, je te vois observer. Mono, pourquoi j'ai ta petite truc là qui... Parce que je suis sur la même image. J'observe le même objet. Pas des mots. Hop. Attends, il y a un symbole. Ah mais regarde, il y a le même symbole là. Il y a un symbole chelou. Attends, j'ai une idée. Il y a un symbole chelou sur un sphinx. Non, prends le sphinx. Ouais. Ok. Et je crois que je le mets par dessus. Non mais je pense qu'il y a un sens. Attends. Lui je le mets là. Comment on fait déjà pour... Attends, Mono. Comment on fait déjà pour observer le truc? Ah oui, il se passe.
se passe. Moi j'ai fait E sinon ça marche bien. Faut que je le mette comme ça je pense. Là on a une on a un code. On a un code. Donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. On a un code modulo 10. Modulo 9 pardon. Oh, j'ai trouvé un jeton. Moi aussi j'ai trouvé un truc par terre là. J'ai ramassé. Regarde, il y a une grande clé, il y a une grande clé derrière l'œil. Quoi ? On a un code là ici là, regarde. Ah oui. Ah, je sais pas oui. Si on peut pas montrer quelque chose avec le dos. J'ai attrapé un espèce de petit truc au sol moi. Il nous reste 10 minutes 30. Ah mais c'est mort, c'est quoi regarde, ce jeu il y a, c'est mort. Il y a un compteur au-dessus de moi. Comment ça il y a un... Ah oui merde. Il y a un compteur, ça descend. Attends. Non. Oui. Trouve une solution. Attends mais je cherche, je cherche. Il faut creuser, il y avait une pelle, j'ai une pelle. Attends, moi je fais quoi attends, avec la pelle. Attends, effectivement, je crois que t'as raison, il doit y avoir un sens au machin là. Mais comment on fait pour creuser? Bah je sais pas. Il faut peut-être un endroit où on creuse. Attends, mais si ça tu l'as mis dans le non, bon sens. Non mais comment on fait pour creuser genre pour faire l'ordre creuse un tunnel. Je sais pas. Mais pourquoi il veut pas le mettre dans? Il veut pas le faire tourner. Là? Bah oui, mais... tu vois, ça tourne pas. Mais il veut pas le faire tourner, ce con. Moi, je voudrais mettre la barre de d'or à gauche. Comme ça, il serait dans le bon sens. Non, il veut pas. Attends, morceau de pyramidon. C'est une clé. Attends, build a tower. Comment ça? T'as construit un truc? Quoi? Mais je sais pas, ça a marqué you build a tower. Oh, attends, si on pète les pots de fleurs. Bah essaye, et ça là, j'ai une gourde aussi, oh, j'en regarde. Fais quoi. Je sais pas, on a peut-être... Eh ben on peut la remplir d'eau. Là y'a de l'eau. Oh, y'a un truc dans la gourde. Y'a un truc dans la gourde. Et comment je fais pour le choper? Mets de l'eau dedans, peut-être qu'il va remonter. Mais où c'est qu'il y a de l'eau? Mais là, ici là, t'as de l'eau. Non. Où on la... Tu la plonges, si tu la plonges dedans. Ouais. Et là, l'objet, il est pas tout en haut. Essaye de l'attraper. Attends. Bah si, mais en fait, il est remonté, mais c'est un espèce de bidule, là, mais... C'est un jeton. Bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. On a trouvé le jeton. Et attends, il y a un truc au fond, là. Ah bah non, c'est l'indice de tout à l'heure. Ouais. Je l'ai mis dans l'eau. Ok, donc là, on a un nouveau jeton. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'on fait avec la pelle. Attends. Là. Ça, c'est cool. Oh les cailloux! J'ai bougé mais les cailloux. Comment tu fais pour l'utiliser la pelle? J'ai mouse click partout. Un jeton secret. Ah, mais je sais pas si ça nous apporte vraiment des trucs. On doit paniquer quand je pense qu'on peut commencer. Attends, et là il y a un coffre avec une clé. Là derrière ça il y a une clé. Il nous reste 7 minutes 40. Il nous faut un code à 4 chiffres. Et où tu trouves un code à 4 chiffres? Ah, juste, et là, regarde, il y a un truc à une main. C'est quoi? Vas-y, je vais pas mettre ma main là-dedans. Ouais, j'y vais. Ça fait rien. Vas-y, comment tu fais pour mettre ta main dedans? Je sais pas. Space. A, E, non, W. Ah, avec W, on peut zoomer. Ouais, mais... Oui, bah, c'est déjà ça. Ou alors, simple, faut poser un truc. Attends, peut-être faut poser un truc dedans. Morceau de brique. Quoi, ça? Je sais pas. Attends, poubelle. Non. Attends, égyptologie 102. Oh mais il y a une valise. Regarde, j'ai trouvé un truc. Regarde, le pharaon, il est devenu quoi bidule. Il attends, est devenu. Ah, tu l'as mis il dedans. Il est devenu en or. Il est devenu de l'or. Tu l'as mis dedans. Il y a dedans tout qui se transforme en or dedans. Oui. Ah bah attends. Est-ce qu'on peut mettre d'autres? Attends, je vais faire un autre test. Attends, je le mets dans ma poche, le pharaon. Attends, et la valise, on peut pas l'ouvrir? Mais justement, tu l'as mis dans la poubelle. Attends, y a un livre. Attends, y a des trucs. Oh, y a plein de trucs là dedans. Égyptologie. 102. 22. 2263. J'ai trouvé la loupe. Et moi, j'ai 2263. Démo, il est où le sphinx? Donne-moi le sphinx. Mets-le là-dessus, s'il te plaît. Il est sur moi. Hop là. Attends, 2263. Tu veux que je le mette où le sphinx? Mets-le dans un endroit où genre je peux le zioter à la loupe. J'utilise ma loupe.
22, 63. Ah non, comment on fait pour utiliser la loupe? Quoi? Ah putain, mono, putain. Je sais pas. Tu me laisses appeler démon en plus, ça si me fume. Si tu fais espace et qu'après tu prends la loupe dans ton inventaire en bas à gauche. Attends, mais comment je fais? Fais espace sur le sphinx, comme ça tu sais, tu l'observes. Ah, attends, ah oui, ok. Et après, okay, non, bah après, je crois qu'il y a un symbole d'eau sur le sphinx. Attends. Bah non, ça marche pas. Il y a un symbole d'eau. Attends, je dois peut-être le mettre dans l'eau. Ouais, peut-être faut que je le mette dans l'eau. Essaye de le mettre dans l'eau. Attends, égyptologie 102. Oh, j'ai débloqué attends, un truc. La quatrième édition. Oui. J'ai un nouveau truc, regarde. Oui. Regarde. Putain, c'est quoi ça? Oh, c'est un pyramidon. Ok, donc là, il nous manque encore une pièce. Il nous en manque un bout. Qui doit être peut-être dans le coffre. Mais attends, là, j'ai fait... En fait, là, tu Moi, j'ai trouvé plein d'objets. Sur le livre... Sur le livre, il y a plein de chiffres. Il y a... genre, c'est Égyptologie 102, 4ème édition. Et après, en bas à droite, il y a 2263. Et regarde, j'ai un espèce de pinceau pour enlever ça, là. Regarde, oh, nice. Regarde. Putain, mais t'as trouvé ça où? Bah dans la valise. C'est quoi cette merde? Petit pinceau là. C'est quoi ce bordel? Je veux pas dire mais en fait j'arrive à bien faire avancer l'histoire hein. Bah ouais hein, toi t'étais là en mode on va pas y arriver, on va pas réfléchir Je suis désolé hein. Attends et le petit 2 du coup comme ça. On peut casser ça là? On peut pas casser les... Pourquoi il y a trois pots de fleurs? Oh merde, j'ai perdu l'outil que j'avais là, dans les mains. Le quoi? Ça? J'avais un couvercle, espèce de petit... Couvercle du flacon. Non, c'était pas ça. Et dans tes poches? Bah non, attends, ça l'a acheté. Lève-toi. Ça l'a acheté, je te dis. Ça l'a acheté là-bas derrière. C'est quoi l'outil que tu cherches? Bah j'avais un espèce de... Comme un truc pour creuser le sol, tu vois, genre comme quand tu fais du jardinage. Coucou, monsieur Néo! Mais je sais Mono, pas. Tado, Démo, Marco. Ah ouais, non, mais c'est que Déo, vous cassez les couilles, hein. Non, mais en fait, je suis perdu, moi. Mon cerveau, il a arrêté. Et c'est hein. L'anniversaire de Tado en plus. Oui, c'est l'anniversaire de Tado. C'est moi qui lui ai CET en premier. Héloïse Flinch, pingé. Comment ça, pingé? Quoi? Je sais pas. Apparemment, tu es pingé. Ça veut dire quoi, pingé? Mais je sais rien. Français? Ah non. Ah non, c'est que je bouge pas. Attends, 22h63. Il nous reste 3 minutes 30. Oh, jamais on y arrive, hein, Mono. Jamais on y arrive. Attends, égyptologie 102, 4ème. Et si on fait 102 avec un 4? Il n'y a pas de 0. On ne peut pas faire 102. 22, 63. Et si je le fais à l'inverse? Moi j'ai un truc aussi, hein. J'ai eu un autre. 101, mais 101. 101. Comment ça 101? Égyptologie 101, 4ème édition. Et c'est quoi le code dessus, en bas à droite? Il n'y a pas un code? Non. Bah attends. Non. 101. Attends, j'ai ouvert. Tu l'as ouvert? Oh, attends, il nous explique tout là. Le système numérique égyptien. Ah. Ah, c'est trop compliqué, hein. C'est trop compliqué. Vas-y, je te pas, le donne. Je savais pas qu'on pouvait l'ouvrir. Tiens, ah, oui, tiens, je te le donne. Tiens. Je pense qu'il faut lire, ça là. Il est là le code en fait. Oui, alors. Il y a un espèce de monsieur bâton. Un, Donc dis-moi à quoi ça correspond. Alors un bâton c'est 1, 2 bâtons c'est 2, 3 bâtons c'est 3 et Non, un homme, regarde le coffre. Attends quoi? Oui. Ah oui, attends. Coucou Lee. Attends, il est où le livre là? Je te l'ai donné, alors, tu l'as dans les mains. Oui, oui mais là c'est toi qui l'as repris. Non, prends le rouge, le livre que je t'ai donné, le rouge. Le rouge. Alors voilà. Il y a... Et là moi j'ai l'alphabet, toi t'as une, la numérologie. Une fleur c'est 1000. Une fleur c'est 1000, un doigt c'est 10 000, une grenouille c'est 100 000. Il nous reste 1 minute 40, on va jamais y arriver. Alors, 1000, 1003. Comment et tu fais 1000? Mais c'est... ça doit être le total. Je pense qu'il faut qu'on additionne... Comment tu le dessines? Je sais pas, le 1000 ça doit être le premier. Genre 1000, 2000, 3000, 4000. Unité des milliers. Attends.
un rond qui tourne, c'est 100. Attends, mais je pense qu'il faut tout additionner. Là, ça fait 1000, 2000, 3000. Attends, j'additionne tout. 100, 200, 300, 400, 3400. Attends. Après, je réfléchis, d'accord. C'est quoi ça? Une arche, c'est 10. Donc, ça fait 1000, 2000, 3000, 400. Il y a deux arches, donc ça fait 3426. Oui, mais comment tu le fais? Comment tu le dessines? 3, 4, 26. Ah putain, ah oui. Oh putain, c'est ça. Oh putain, t'es le boss. Oh non, on l'a mis où la clé? Dans le coffre, il est là. Le coffre. Attends. Il nous reste 30 secondes. Elle est où la clé? Je sais pas. La clé. Elle est là, tu l'as acheté, la clé. Mais J'y mets dedans. Ouais. Vas-y, attends. Ça. Là, vas-y, là. Vas-y, pause. Mono, c'est bon. Mono, il reste 20 secondes. Vite, prends le bidule. Vite, Mono, la clé. Mais t'es quoi, ah, ça? On va crever. Il nous reste 3 secondes. Prends le livre, on va comprendre comment ça marche. Ça va péter. Mais pourquoi le truc il est à zéro? Mais parce que d'abord il faut que tu nous trouves le corbeau. Attends, on n'a pas gagné. On se presse plus, parce que le compteur. Mais toi pourquoi? Mais si, attends. C'était pour la coupe. Peut-être on n'a pas perdu. On n'aura pas la coupe, mais. Mais si, peut-être. Attends. Non, mais je pense qu'on est trop, con. Mais au moins on peut réussir à terminer. On terminera pas dans le temps. Ah ok, d'accord. Mais ça veut dire qu'on va pas mourir? Non, tranquille. Attends, en fait. Dégage. Quoi? Mais je suis accroupi, ça. Mais arrête de pisser. Attends. Mais non, je crois que c'est pas ça. Là, il y a un... Attends, on monte. Toc, on a le sphinx. Ensuite, toc, on a l'espèce de chapeau, là. Toc. Ensuite, on a le carré. Attends. Il y a un carré ou pas, là-dessus? En dernier, c'est le cactus. C'est un cactus ou une main, ce truc-là? Mais en avant-dernier, c'est quoi? Le carré. Ou alors, c'est l'espèce de serpent? C'était l'espèce de serpent, c'est bon, j'ai trouvé, c'était l'espèce de serpent, c'est pas sûr, c'est moi qui avais raison. Ah ouais? Oui. Mais pourquoi? Mono! Pas logique, qu'est-ce que c'est? Putain, Mono, c'est interminable! J'ai rien compris! Du coup, je te laisse faire parce que j'ai rien compris! Attends, il faut faire le bidule. Oui? Par où on rentre? Je sais pas, tu peux dessiner dessus? Non, faut faire à la de tête. Dans la tête? T'as une tête? J'ai tes mains devant, je vois rien. Il faut voir quel truc il faut qu'on aille ou devant ou de quoi. Par où on commence? C'est quoi cette merde? Alors déjà. Je pense qu'il faut commencer par le chat. Attends, le chat? Non, il n'y a pas de chat. Quoi, le chat? Si, le chat en haut à gauche. Non, il n'y a pas de chat. Il n'y a pas de chat en haut. Mais c'est pas les mêmes signes! Bah oui, c'est ce que je te dis, y'a pas de chat! Ils nous sont baisés! Attends, je reprends. Je comprends pas. Ils sont où les livres? Attends, j'ai un livre sur moi. Je lis le livre. Putain, le livre. Je vas-y. Lis le livre. Former les nombres. Ah, c'est bon, celui-là on a plus besoin. Ça va les pips? On va y arriver, vous croyez ou pas? Attends, mais même ça, pourquoi ça? Attends, déjà, l'homme assis et l'œil s'est baisé, ça va nulle part. C'est moi qui l'ai le livre. Ah, c'est moi qui l'ai le livre. Le scarabée. Ah, mais non, attends, je l'ai lâché, je voulais pas. Oui, attends, oui. Le scarabée, il va nulle part. Ensuite, l'abeille. Mais l'abeille, elle peut aller jusqu'au centre. Attends. Ah ok, j'ai compris. Ok, mets en haut, tu m'écoutes, mets le pied. Le pied? Ouais. Ok. Je vais tester un truc. Mets le serpent. Ok. Et mets l'espèce de dôme. Dôme plein? Ouais. Comment t'as fait? Let's go! Comment t'as fait? Bah j'ai testé, je me suis dit vas-y on va commencer par l'abeille. En fait, regarde Tiens, regarde, prends ça. Ouais. Et tu regardes et je me suis dit vas-y on commence par l'abeille. En gros l'abeille ça correspond à... Il te donne l'alphabet. Abeille... Bjit. Hein? Oh GG.
Mono, t'as maîtrisé. Ah, toi aussi, hein. Non, non, en vrai... Et franchement, on a maîtrisé. L'abeille était la solution, en effet. Pourquoi j'ai des poils de chien dans la bouche alors que j'ai plus de chien depuis je sais pas combien de temps. Et c'est dur, en vrai. Hein. Et franchement, je suis sûre qu'ils avaient pas confiance en nous. Est-ce que vous y croyez un petit peu ou pas, ou genre vous avez jamais eu confiance en nous? Ah, on me dit c'est juste pour un défi. Hey, t'as un déhanché, Mono, c'est terrible, hein. T'as vu? On me dit c'est juste pour un défi. Comment ça, 0 sur 20, hein. Le timer. Par contre, 4 sur 8 secrets. Prochain épisode, on refait un petit 39. Oh, vas-y, oui. vas-y. Et du premier coup en plus, bah oui. Franchement, en vrai... Et on n'a pas paniqué, c'est ça qui est bien. Je suis honnête, j'y croyais zéro. Oh, ça croyait pas en nous. Coucou miracle. Vraiment des bâtards. Bon. Et alors... on s'est mis en bidule là pour en bidule. En squad. Ouais. Je sais pas, je crois pas. Bah on attend quoi? Je sais pas. Press X to dub. Oh putain, ça presse X chez moi là. À partir du moment où j'ai vu que tu balançais les objets, je me suis dit terminé. Attends. Putain, ils ont si peu fond. Terrible. Lancer un squad stream. Ah c'est bon. Non, je l'ai mis dans la poubelle, c'est pas ça que je voulais faire. Attends. Ah bah je crois qu'il y a quelqu'un de chez moi qui l'a fait. Hop là. Pourquoi il y a un train de live chez WAM? Pourquoi il y a un train de live chez WAM? Il y a rien. Ah, attends, mais je sais pas, je vois un train de live qui s'est déclenché comme ça. Que dalle, frère. Je vois un train de live niveau 1, 93%. Il a fumé Twitch. Il n'y a pas de train. Bah non, il n'y a pas de train. Merci Feiyu pour le 26e mois de prime. What? Oh. Intéressant. On a une pelle. Il faut qu'on trouve... C'est quoi ça encore? Un bocal? Oh j'ai... Non c'est moi. Ah ouais? Putain j'ai cru que j'avais cassé un vase. Non, on a une moi. Poubelle encore ou pas? Oui une poubelle. Attends je vais jeter les déchets comme ça on aura de la place. Ça sert pas. Il y avait rien dans le vase? Il y a des poubelles. Attends. Morceau de vase. Mais attends, regarde, en plein milieu. Pouette. Bah oui, je sais. Il faut mettre les trucs dessus. Mais il faut trouver les têtes, en fait. Ah, le bon endroit. On est mis un, déjà. Les vases canopies. Et... Voilà. Attends. Là, c'est équilibré. Et après quoi? Je casse tout. Y'a rien dedans. Et ça se lit, non? J'ai tout pété, je crois. On n'a pas des livres. Faut réfléchir dans ton truc là. Ça va être un miracle. Ouais. Merci Click Karma, merci pour le T1. Merci beaucoup pour le soutien. Coucou KO. Le tu dis pas d'avoir crié, mais tu as crié on va mourir. Bah, c'est pas de la panique ça, je. Ça, c'est mon état naturel. Throw item across the room. Comment ça? Oh, je peux jeter des trucs. Je prends un item. J'ai ouvert un truc. Je suis tombé par hasard sur les vases de momification dans leur compréhension. Elles représentent les quatre fils d'Horus. Les poumons étaient gardés par Api, le dieu à tête de singe représentant le nord. Le dieu à tête de chacal représentant l'est, Duamutef, gardait l'estomac. Imseti, le dieu à tête humaine représentant le sud, gardait le foie. Et finalement, les tripes étaient gardées par Kebesenuef, le dieu à tête de faucon représentant l'ouest. Attends, ça veut dire qu'il faut trouver nord, sud, est, ouest? Je sais pas. Mono, je sais pas. Ah, allez. Attends, il y a encore un vase là, il y a encore un vase. Pied de biche là. Hop. Bam. Bah, il y a rien. Chose dedans? Bah, non, il y a rien. Et les pots de fleurs, on les a bougés? Je sais pas. Il y a des trucs qui peuvent. Je sais pas, là, dans la partie d'avant, j'ai bougé les pots de fleurs, il y a rien qui est tombé. Bah moi si, ça m'avait fait tomber un truc, regarde. Ah ouais? Là j'ai l'impression qu'il y a un truc sur celui-là. Attends. J'essaye de secouer mais ça marche pas. Attention à toi. Tu vas me taper? Non, je jette un pied de biche.
On a 11 minutes, hein, Mono. C'est pas oui, là, non, mais ça, c'est... En fait, ça, c'est pour le défi. Ça, c'est si on est en mode Zilan, tu vois. Et puis on est grave en mode Zilan, nous. Hein. Oh putain! Oh, oh merde! Oh, oh merde! J'ai fait un truc! Attends, c'est toi ou c'est moi ça? Je sais pas. Attends, ah oui, d'accord! Oh! Il y a des abeilles. Non, ok, Léon. Léon. Ok. Et lui, il veut une boule. Attends, je vais lui donner une boule. Attends, attends, je suis en train de. J'ouvre de manière tout à fait honnête et légale. Les sarcophages. C'est pour la science. Mono, lui, il veut un piquet ou un truc dans sa main, là. Quoi? Il veut une boule et un piquet dans sa main. Eh bah, on va lui donner un pied de biche. J'allais dire, il veut une. Bref, ah, mais il veut les signes. Je pense qu'il veut les signes. Ça, c'est quoi? Oh, attends. J'ai une boussole. Oh non, je suis nul à ces jeux-là, moi. OMG. Eh bah, le nord, c'est ça. Le nord, c'est celui où je suis, là. C'est vers là où je suis, le nord. Oh, oh non, c'est la merde. Attends. Pourquoi c'est la merde? Ouais, et j'étais là au sol. Ok, ok, Mono, okay. Tu peux m'aider, ouais, à faire ça? Je suis nul à ces, ouais, trucs-là, moi. C'est quoi? C'est quoi? Ah, putain, mais attends, c'est trop bien, ça. Il y a un monde où j'ai trouvé. Pas du tout. Putain! Oh, mais faut... c'est des trucs de logique, mais ça va pas ou quoi de me faire jouer à des trucs attends, pareils? Attends, je l'ai. Tu vois le dessin qu'il faut faire ou pas? Bah, il faut passer partout. Non. Ah non, je crois pas. Alors, regarde, sors du machin, il faut faire celui-là, je crois. Les deux, attends, ils ont le même. Vas-y, fais. Attends. C'est un carré en haut à gauche, ensuite c'est un L retourné. Faut faire ce dessin, ils ont le même, les deux, donc je pense qu'il faut faire le même aussi, chaud. Mais ici, comment je fais? Ici aussi, bah, je sais pas. Ok, comme attends, ça, vas-y. Oui, mais après, tu vois, pour sauter là-bas, comment tu fais? Bah, non. Attends, c'est ça? Non, parce que tu peux pas repasser, ça va effacer. Ah si! Oh, let's go! Ta-da. Et du coup, maintenant, on peut l'ouvrir, là. Pour la science, bien sûr. Ouvrir quoi? Le coffre? Ah bah non, mais il est ouvert, en fait, je suis con. My bad. Et il faut pas mettre des boules là-dedans, sinon? Je sais pas. Il en veut combien? Tiens. En vrai, je sais pas, je comprends pas. Mais il veut pas, essayer, la... mais il ça veut marche pas, pas la garder. Non. Attends, t'avais un truc tout à l'heure sur le nord, le sud, là. Ouais, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Tiens, regarde-toi. Mais là, c'est à l'équilibre. Je l'ai mis au sol, il est par terre. De quoi? Je te l'ai mis au sol. Il est où? Je l'ai mis au sol. Mais oh, j'ai trouvé un truc. De quoi? J'ai trouvé un jeton. T'es en parchemin? Oui, il est parchemin, là. Il est par terre. Attends, quoi? C'est quoi, cette merde? Ça, c'est quoi? Trouver une espèce de vase. Ah, attends. Parler de mettre les trucs ah, au nord et tout. Oui. J'ai trouvé un truc. Oui. Je l'ai posé sur le mec qui avait la main tendue. Ouh. On a le droit de vous aider dans les énigmes. Non. Laissez-nous galérer. La vraie question, c'est est-ce qu'on a le droit de niquer le fun? Oh, il y a une clé là-dedans. Il y avait une clé dans un parchemin. Ah bah ouvre le coffre là-bas là. Attends. Sous les bidules. Hop. Et il est où le coffre? Derrière sous les bidules. Toi. Ah il est là. Hop là. Oh une tête de vase canopie. Et attends, j'ai pas retrouvé le parchemin où. Ah mais attends, ils nous disent qu'il nous faut le là. Nord. C'est quoi ça? Normalement ils disent le singe va au nord, le faucon va au sud, je sais pas quoi. Tout à l'heure t'as lu un truc comme ça. Oui, mais le parchemin, je te l'ai donné, il était par terre, tu l'as ramassé. Ah bon? Oui. C'est lui? Un autre jeton. Oui, c'est... Non, c'est pas lui. Il y avait un papier. Bon. Il est là, là, le papier, là, regarde. Il est là, je te l'ai laissé là. Ah bah je voyais pas. Putain, ça s'ouvre. Alors, les poumons étaient gardés par un... tête de singe au nord. Tête de chacal à l'estomac. Ouais, tête de singe au nord. D'accord. La tête humaine au sud. Bah, d'accord, Mono. Tête de singe au nord. Là. Ok. Oui, non, mais oui. Félindra. Pas de problème, pas de problème.
Les tripes étaient gardées par... Qui était Bessef ? Le dieu à tête de faucon représentant l'ouest. Donc le faucon à l'ouest. Donc ces deux-là sont bons. Normalement. Et après, il nous faut deux autres têtes. C'est quoi qu'on a pas fait ? Ouais, mais on les trouve où les têtes ? Ah, peut-être dans les coffres derrière toi, non ? C'est quoi ça ? Moi, je pense qu'il y a un truc à faire avec ce bidule-là. Ou non, je l'ai déjà fait, peut-être. Bah ça, c'est à l'équilibre, mais je sais pas ce que ça fait, en vrai. Moi, ça me fume parce qu'ils te mettent une pelle partout, mais on sait pas quoi en foutre. Oh, il y a des tunas, là. Attends, c'est pas pareil, ça ? Ça, c'est un pigeon. Enfin, un pigeon hibou. On a pas de pigeon hibou, là ? Non. Mais dans les coffres, là, on peut pas... Tu peux pas les ouvrir avec le bidule là ? Avec ça ? Ah, je sais pas. Peut-être la pelle ? Oh, ah, GG ! Si, voilà. Ah. Oh merde ! Oh non, non ! Non ! Mono, à chaque fois que j'ouvre un truc, je comprends encore moins ce qui se passe. J'ai tout niqué chaque les vases. Chaque indice me... Attends. Ah mais non, mais oui, mais il y a une... Mais il y a des trucs à l'intérieur, je suis trop con. Il y a des poumons. Donc en fait, la tête de singe, elle est là. La tête de gros con, elle est là. Et après, le reste, il faut qu'on trouve. Et ouais, le reste, faut qu'on trouve. Oh, regarde. L'est... Qu'est-ce que je fais, ça ? À l'est, c'est l'estomac. Rien. Donc déjà, à l'est, c'est l'estomac. C'est un estomac, ça. Je crois. Pas la caisse du tout. De quoi ? Non, ça a pas l'air. Attends. Merde, j'ai lu à l'envers. J'ai mis à l'ouest, c'est ça ? Gardez l'estomac. On trouve un autre jeton. J'aime bien quand moi je suis là en mode gros con. Toi t'es en train de résoudre tout le truc. Tête de singe. Les poumons. Les poumons au nord. Bah les poumons ils sont au nord. Le dieu gardait tu sais, le genre foie. Le nord et tout là. Bah j'ai tu sais, je t'ai dit tout à l'heure j'ai trouvé une boussole. Ah oui. Et le nord c'est du dur, coup hein. il est là. Et c'est franchement c'est complet de ouf hein. Il est bien ce jeu en vrai. Hein. Mais ouais, c'est pas mal. Mais j'ai envie de canner, mais il est bien. Je m'attendais il nous manque un truc quand même. Hein. Bah attends, je mets les vases là dans le bon truc. Donc le foie au sud et l'estomac à l'ouest. Attends quoi ? Bueno, ouais. J'assiste à un attouchement. L'estomac. Quoi ? Quoi ? C'est Twitch friendly ou pas ? J'assiste à un attouchement bizarre. Attends, les tripes. Les tripes. Non, mais du coup, je sais plus ce que je disais, moi. Pardon, je t'ai perdu les en tripes. les Mono, tripes là à aussi, l'ouest. J'assiste à un espèce d'être. Mais non, mais attends, je suis trop con. Mais comment ça ? Je sais pas, il y a des trucs bizarres sur le parchemin. Tu regardes les BD. Bah oui. Ah, oui. Je oui. Me dis, je vais trouver oui. Des indices. Non, mais là, il manque un truc là pour ce truc-là. Là. Mais je sais pas où le trouver. De quoi ? Ça là, la boîte ? La boîte rouge ? Mais non, lui là, le sphinx là. Ça doit être quelque part, dans genre un coffre, une boîte là. On a deux coffres. Ah ça c'est mort. Y'a un truc qui s'est ouvert ou j'ai rêvé ? Non, c'est toi. Pense pas. Regarde, alors... Il faut trouver pour ça là. Alors ça par contre... Attends. Oh non, on va se prendre la tête. Oh putain. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, je sens arriver. En fait, là, pour trouver les... Il faut trouver le poids. Il faut trouver le poids du hibou. Il faut trouver le poids de la vague. Il faut trouver le poids du serpent. Oh non. Sachant que... Une noire. Trois noirs égale deux rouges. Oh non. Oh non, non, non. Oh non. Attends. Trois noirs égale deux... Non, 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 non.
Mais donc du coup on fait comment? On doit mettre genre... comment on fait? C'est rien. Ah non. On va trouver. Comment t'as fait un ping? C'est pour montrer des choses? Je veux savoir comment t'as fait ça. Ouais. Oh non, j'ai jeté la lettre. Attends, déjà, je relis parce que l'estomac à l'ouest, c'est pas bon du coup. Ça là. Ah non, mais les intestins. Les intestins. J'ai toujours mal lu le truc. Hein. Non, mais je comprends pas pourquoi tu veux qu'on trouve le poids. À l'est, l'estomac. Je suis un débile. Ben je sais pas, je pense que c'est ça en vrai. Ou la valeur, pas le poids, mais la valeur. La valeur équivalente. Alors, ah regarde, j'ai la solution, regarde. Oui. En fait, sur chaque boule rouge, il y a un... Oui, il y a... Y a un... Donc là, je suis en train de faire les petites vaguelettes. Il faut savoir le poids des vaguelettes. Ok. Bah les vaguelettes, c'est moins que... C'est moins que 3, là. C'est moins qu'une boule... C'est moins que 5. Attends, mais ça peut... Ah, ok, d'accord. Non, j'ai... Ah oui, ok. Oh non, en fait, t'as tout pigé. C'est ça. C'est 2. Vaguelette, c'est 2. Vaguelette, c'est 2. Ok. Ok. Donc, faut que tu le mettes là-bas. Ouais, c'est bon, c'est bon. Vaguelette, c'est 2. Le hibou. Elle est où, la 5? Elle est là. Attends, bah, du coup, vaguelette, si c'est 2, on a un 2. Il me manque une boule. Ah oui, non, j'ai, ah ouais, j'ai dans ma poche. Attends. Et là, t'as 5, ok. Vaguelette, c'est 2. Donc là, j'ai 5. Si j'enlève 1, ça marche pas. Vaguelette, c'est... 6. Hibou, c'est 6. Hibou, c'est 6. Vaguelette, c'est 2. Hibou, c'est 6. Et le dernier? Et le dernier, on n'a pas la boule, c'est ça? Il faut trouver la boule rouge. Ah, ok, attends. On va aller faire un par un. Ah, mais je l'ai. Dans elle est dans mes poches, elle est dans mes poches. Putain, t'as vu, j'y arrive en fait un mono, mais, t'as vu ou pas? Mais de ouf en vrai. Mais moi j'étais là en mode on va rien comprendre. J'avais pas vu les chiffres en fait sur les... Sur la bouboule. Non. Après s'il te manque des trucs, non, tu peux te servir des autres. Hein. La vaguelette c'est 2 et le hibou c'est... C'est 6. Attends. Je sais pas si les boules elles ont le même poids. Bah non justement. Mais faut trouver celle... Bah non. Bah attends, donc là au pire, c'est pas 5, c'est sûr. Au pire on va tester. C'est plus que 5 ou pas? Bah c'est 3. Je dirais que c'est 3 ou 4. 3 ou 4? C'est pas 3. C'est 4. Let's go. GG. Donc là c'est la tête de chien, donc place-la quelque part. La tête de chien... Ça doit être le chacal. À l'est. Le chacal à l'est. Pouette. Pouette. Après, il nous manque vraiment un truc. Hein. Et bah, après, il y a le. Il nous manque le bidule là, regarde. Il y a les trucs qu'on n'a pas fait avec des sarcophages. Regarde, dans les sarcophages, il y a un scarabée, il y a un lion et il y a deux plumes. Et regarde, là, il y a pareil. Scarabée et lion. Ouais. Alors, ok. Alors, attends, scarabée. Oh, et donc là. Oh GG. C'est quoi, on fait quoi? Attends, avec... là on a une pièce. On a une plume. Attends. Je fais quoi avec la plume? Je sais pas, mais là on a des pièces, mais aussi si dans tu le coffre. Tu te la fous, je pense vraiment je... C'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Oh non. Oh GG. Let's go. Et en vrai? Yeah. Et en vrai? En vrai pas mal hein. En vrai, je trouve qu'on est plutôt bon. On est plutôt bon. En non, vrai, mais ça y va. En on a... l'a fait combien de... Je sais pas, 20 minutes, je dirais. On a commencé à 40, il est 58. Donc en vrai, je suis plutôt... Putain, je trouve qu'on fait une bonne équipe en vrai, là. Hein. Bah ouais, hein, ça se passe. Hein. Bon, je pense que là, ça reste facile. Oui. En vrai, je pense que... Il y a moins que la semaine prochaine, on s'insulte. Ah, il y a des chances. Il y a des chances. Je prépare mes insultes. T'inquiète, je me tiens prête. Je suis dans les starting blocks. Je vais foncer. Tu sais ce que je mange ce soir, Mono? Me dis pas que tu manges une raclette. Si. Je te déteste.
Tu veux venir à la maison? Tu sais que j'en ai mangé une samedi dernier. Oh. Mmh. Et vas-y, viens, on cale la soirée là avec, avec Draco. Moi je suis chaud. Je suis chaud, je suis chaud. File-moi tes dispo, je vais envoyer un message. C'est forcément le week-end hein, du coup. Hein. Bah samedi pro, le samedi 9, je crois. Attends. Il y a beaucoup de scénarios, mais il y en a un paquet en vrai. Il y en a un petit paquet. En vrai, j'aime bien ce jeu là. Il est chill. Samedi prochain, je peux pas. Ah. Ah non, attends. Non, c'est ce samedi là que je peux pas. Samedi prochain, je peux. Le 9. Eh ben, le 9, je peux aussi. Est-ce que Draco peut? Vraie question. Grande réponse. Je vais lui envoyer un message. Papa, pas à la raclette. Ah, j'avais perdu du poids. Je perds du poids, Bulle. Hein. Je perds du poids en plus. T'inquiète, je vais m'occuper de ça. C'est pas possible. C'est que je dois me préparer physiquement. Pour que je dois perdre du poids. Pour mon big projet. C'est quoi? J'en ai parlé. J'ai pas fait d'annonce officielle. J'en ai parlé que sur mon live Paris-Marseille à pied. Ah oui, c'est vrai. Oh putain. Merci. Hein. Je parle pas avec lui. Je parle moi, plus mon avec gros projet, lui. Tu vois, c'est Foucault de recevoir projet. Le play de Twitch là, de rester dedans tout l'hiver. Oh là là. Et de regarder des K-dramas toute la journée. Oh c'est là ça, là, je vais recevoir le play de Twitch. Mais en mettre Twitch à café aussi, mais en mettre à la lecture. Oh genre, là 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 là. Bon, 17h. 17h, moi je t'ai dit que j'arrêtais à 17h. Ouais. J'avoue qu'en vrai, ça donne envie de continuer. Ça donne envie de continuer ça là. Et bah. C'est toi qui vois. Ah, mais non, semaine prochaine. Non, non, vraiment, je oui, suis, semaine prochaine. Semaine prochaine, jeudi. RDV yes. Jeudi, comme ça au moins. C'est bien parce qu'on a fait une heure. On aurait pu faire une heure de souffrance et on se serait dit, bon, bah, jeudi prochain, faut autre chose, tu vois. Mais en vrai, jeudi prochain, quelle heure pour toi? Bah, quand tu veux. Bah, oh, mais je vais pas te faire venir le matin. Non, ça c'est sûr. Non. Genre 13h. 13h, ça ah, le non, fait. Attends. Ah non, je peux pas jeudi prochain. Non. Non. Jeudi prochain, c'est le 7. Oui. Je peux pas. Oui, c'est le 7. J'ai des potes à la maison. Oh là là. Mais le mais soir. Je peux, mais je le... peux. La journée. J'ai des potes toute la journée à la maison. Oh. On fait du coworking. Du coworking. Ouais. Je leur fais un petit bourguignon. Je les nourris. Et le mercredi? Le mercredi, je peux. Eh bah, disons le mercredi. Non, non, attends. Attends, attends. Non, non, ouais. Le mercredi, je peux pas. Putain. Le mercredi, je peux pas. Le vendredi? Mais non, mais le vendredi, moi, on est en multi avec Alex. Merde. T'as un planning de ministre. Vas-y, on fait ça mercredi. On fait ça mercredi. Mercredi, je note. Hein. Ouais. Mercredi, je notaire. Je notaire fort. À 14h? Ouais, 14. 13 ou 14, comme tu le sens. Moi, de toute façon, tu sais très bien que si tu me dis 13 ou 14, je peux caler un truc avant. Hein. Une demi-journée avant, je peux me caler. 14, c'est bien, parce que moi, je m'endors à 7h30 du matin. Tu vois, genre 14, je trouve ça bien. C'est une eh bah, bonne 14, horaire. 14, regarde. Mercredi. Parce que comme ça, on joue, genre, mettons 2-3 heures. Ouais. Et après, je fais mon jour off. Alors, par contre, moi, mercredi 6, au soir, j'ai un truc, donc vraiment, ça va être pareil. Genre, 17h, je vais pas dépasser, ouais, tu parfait. Vois. Parfait. Je vais pas dépasser. Allez, hop. Tac. À 14h. Et c'est noté, hein. C'est noté, c'est bloqué. Allez. Ouais, tu fais quoi, bon. tu vas en RP ou un truc comme ça, non? Tu restes en live? Non, je vais rester en live. Je pense qu'on va faire du blabla. Tu vas faire du blabla? Eh bah, tu sais quoi, je vais envoyer tout le monde chez toi. Ouais, tout le monde chez toi. On arrive et, en grand. Et Draco, elle a dit c'est bon pour le 9, donc tu peux mettre sur ton agenda aussi. Ouais. C'est bon pour le 9? Eh bah, je mets dans mon agenda. Raclette, tartiflette ou. Ah, oh, tu sais que raclette. Raclette, moi je suis raclette. Hein. Ok, raclette. Hein. Raclette. Chez toi? Je te prends ta viande de bison là ou je sais pas quoi là. La viande de bison. Le truc là. Je te prends ça, non? C'est ça que tu veux toi? Ah, oui, c'est ça. Oui, c'est tout à fait ça.
La viande des grisons, mais t'inquiète, au pire, je ramènerai. La viande de bison. Je ramène, t'inquiète. De la viande de bison. T'inquiète, je me débrouillère. On arrive pour la raclette aussi. Ça marche, hein. Ça marche. Raclette des pâtes pour Mono. Non, mais je me fais charrier là encore. C'est bon. Je suis victime des colifichets. Ça suffit. Let's go. Bon, allez. Je te prends ton truc. Des bisous, bulles. Et puis, allez, let's go. Bah, de toute façon, on débarque chez toi hein, dans 2 minutes. On arrive. À tout de suite. On fout ce beul. Hein. Allez. Bon, des bisous. Amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Bisous. Et puis, bisous, Mono. En putain. Et avec ça, Mono, à tout à l'heure. Bisous. Hop là. Retourner au menu. Eh ben, des bisous la VOD. Des bisous la VOD. On se retrouve du coup la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Du coup, mercredi, on a dit. On a dit mercredi. On sera avec Bull, peut-être avec plus de gens, ça dépend. Là au moins on a testé à deux. En vrai le jeu est très cool, mais je pense qu'à plusieurs. Déjà que des fois moi je suis dans mon truc, Bull elle me parle, j'arrive pas à assimiler l'information et des fois ça doit être la même dans l'autre sens, tu vois. Je pense que pour se synchroniser, c'est pas que c'est un enfer, mais je pense qu'à certains moments, en fait, on va laisser passer des informations essentielles. Je pense que des gens laissent passer des informations. Bon, allez, hop. Red Bull up. Putain, je suis en QWERTY. J'arrive, c'est fini. Bah oui, c'est fini. Il est 17h en même temps. Il est 17h. On est 430. Incroyable. Et bah, let's go chez Bull. Ils vont partir en blabla. Et je pense qu'après, ils partiront en RP. On est jeudi. Je sais pas si je dis Bull à l'autre chose. Allez, zo. On arrive en football chez Bull Dobbs, s'il vous plaît. Maximum de RoboDance. On montre qui c'est qu'on est. On montre les bottes, s'il vous plaît, là. Hein ? Bon, bah, à toutes. Hein. Il y a Electric Callboy, je t'excuse. Ouais, bah, j'apprends. J'apprends Electric Callboy. Attendez, je vais vous mettre ça, d'ailleurs. Je vais vous mettre ça. Faut que les deux joueurs aient le jeu. Ah, je me suis pas posé la question. Bon allez, des gros bisous. Moi je vais aller tranquillement me diriger vers la piscine. J'ai mal partout, mais voilà. Merci à vous, merci pour les follow, merci pour les subs, les resubs. N'hésitez pas à follow ici, n'hésitez pas à follow chez Bull. Et voilà. Et on se retrouve demain chez Alex. Je pense que demain matin je ne serai pas en live. Voilà, si je suis en live c'est surprise. Et sinon, demain midi chez Alex Click. Pour le... Bah non, demain Range Simulator à midi en fait. Demain Range Simulator à midi avec Alex. Des bisous, bonne soirée.